Les bonnes nouvelles enchaînent pour les candidats de la Star Academy 2022. Après Tiana ou encore la gagnante Anisha, CEST un autre star académicien de la saison qui vient d'annoncer entrer en studio. Après plusieurs semaines de compétition intense, les téléspectateurs découvraient le visage de la gagnante de la saison 10 de la Star Academy. CEST donc Anisha qui remportait le trophée, et laissant 000 euros, avec 57% des voix. Au détriment de Louis, Léa et Enola, les trois autres finalistes. Depuis cette victoire, la jeune malgache, très discrète dans le château de Damaril Ellis, enchaîne les interviews promo. L'occasion d'en savoir un peu plus sur son futur album signé chez Sony Music France, ce sera vraiment un album qui va me ressembler et me refléter. Je ne sais pas si je vais faire appel à un compositeur, mais CEST sûr que je vais devoir travailler avec d'autres personnes parce que CEST toujours bien de collaborer a-t-elle balancé dans un live diffusé ce 3 décembre sur Instagram. En plus de cet album solo, la jeune chanteuse a préparé un opus en collaboration avec ses anciens camarades. Un disque spécial Noël dévoilé ce vendredi 9 décembre et dans lequel Léa, Anisha, Paola ou encore Stan, Chris et Senso ont posé leur voix, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Un candidat rentre en studio pour préparer une cover tout semble rouler pour Anisha, mais aussi pour d'autres candidats de la Star Academy 2022. En effet, Tiana a récemment annoncé avoir signé dans une célèbre maison de disques, celle de Vita, Slimane ou encore Maître Gims. Je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai enfin signé avec Indifférence Prod, confiait-elle sur son compte Instagram. Et ce 8 décembre 2022, CEST un autre chanteur phare de la saison qui a fait une révélation, il s'agit de Stanislas, éliminé le 12 novembre 2022. De passage dans l'émission chez Samy et Lou à la radio belge typique, ce dernier a confié, « Je rentre en studio pour préparer une cover sur un son des années 80. Mon but est de faire venir la funk en France et au-delà des frontières. » Et de rajouter, pas peu fier de son parcours, et par la suite, j'ai déjà écrit des chansons en attendant de mettre tout ça en musique, il y aura une cover d'abord. Le jeune homme de 24 ans a des projets plein la tête puisqu'en plus de la musique, il souhaite se lancer dans la mode. Puis après aussi, il y aura des looks très mode qui vont sortir aussi sur les réseaux. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça devrait arriver peut-être courant janvier a également lâché Stan au micro. L'année 2023 s'annonce donc riche en sortie d'albums.